Salut, je vous propose une séance d'échauffement, tout simple. Bienvenue dans votre fitness studio. Ok, donc l'idée en fait c'est de commencer à mettre en route les articulations les plus importantes de votre corps, histoire qu'au bout de 5-7 minutes, vous soyez apte à effectuer n'importe quelle activité physique de votre choix. Donc, vous vous placez face à moi, les pieds légèrement ouverts, voilà, à peu près la taille de vos épaules, les orteils à peine en ouverture, voilà. Et là, tout simplement, on va enrouler la nuque vers l'avant et sur les côtés. Commencez pas à aller trop en arrière tout de suite, ne pincez pas la nuque en arrière. Voilà, l'idée dans l'échauffement, c'est d'y aller vraiment de façon très progressive, d'apporter beaucoup de respiration, beaucoup de lenteur. Voilà. Histoire vraiment de commencer tout doucement à faire circuler la synovie, hein, c'est le liquide qu'il y a dans vos articulations. Encore une ou deux fois, voilà, et au fur et à mesure, hein, si vous en sentez la possibilité, peut-être partir complètement en arrière, mais si c'est pas le cas, si vous pouvez pas, aucun problème, surtout aucune douleur, aucune tension. Voilà, relâchez, enroulez les épaules sur l'arrière. De plus en plus grande, de plus en plus grand, encore un peu plus grand, voilà, commencez à engager aussi les coudes, voilà, et puis surtout, hein, ne lâchez pas votre dos ici cambré, hein, gardez le nombril assez proche de votre colonne vertébrale, le pubis rentré vers l'avant pour déjà engager les abdos, voilà, de plus en plus grand, jusqu'à vraiment aller sortir, hop, des vrais cercles de bras, moi je me décale, voilà, ici comme ça, voilà, et surtout sans trop cambrer, hein, pas de tension dans le bas du dos. Lâchez, ok, déjà tout de suite, on sent qu'on commence à respirer et qu'on sent de mieux en mieux. Toujours hein, les pieds ici, ouverture, largeur des épaules, restez de face. Moi je monte de profil, voilà, on pousse les fesses en arrière et on plie les genoux sans avancer. Voilà, n'allez pas trop bas pour l'instant, hein, c'est vraiment juste l'échauffement, c'est cool. Voilà, c'est pour commencer à réveiller les hanches ici, les genoux ici aussi. Voilà, c'est le moment aussi de sentir un peu vos sensations. Est-ce que ça craque dans les genoux? Est-ce que c'est plutôt agréable et confortable et que vous pouvez aller un petit peu plus bas? C'est vous qui voyez. Encore 4 comme ça. Voilà, on commence à coordonner sa respiration. J'inspire. En descendant, je souffle en montant, encore une fois. Et on va rester en bas. Voilà, pas trop bas. Voilà, commencez pas tout de suite à engager trop les muscles. Ici, on va juste travailler le dos. Dans les trois dimensions avec quelques torsions ici. L'idée c'est d'aller poser le dos des mains sur l'extérieur des genoux. Voilà, et là pareil sans cambrer, donc engager les abdos. Et au fur et à mesure, essayez de descendre les genoux un peu plus bas pour pouvoir aller poser carrément l'avant-bras sur l'extérieur des genoux, accompagné du regard. Voilà, super travail de torsion ici. Et vous commencez aussi à bosser les genoux et les hanches. Encore 4, 3, 2, 1. Et remontez dos rond. Et descendez dos plat, 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 plat. Poussez les fesses en arrière. Et remontez dos rond. Vertèbre après vertèbre. Jusqu'aux épaules et la nuque. Et on repart. Voilà, détendez le visage. Mâchoire, les sourcils. Encore deux fois comme ça, inspirez. Voilà, commencez à peut-être trouver une intention pour votre activité physique juste après. Pourquoi est-ce que vous allez faire du sport? Est-ce que c'est pour chercher de la performance? Est-ce que c'est pour vous améliorer? Est-ce que c'est juste pour vous faire du bien sans vous faire de mal? C'est vous qui voyez. Revenez ici de face, là. Voilà, rotation ici. Sans trop bouger les pieds ni les hanches. Voilà, c'est juste pour que le dos, voilà, soit bien échauffé dans ces trois dimensions et comme ça, aucun risque de vous faire mal à la colonne vertébrale. Alors, essayez d'aller chercher de plus en plus loin et pourquoi pas balancer un peu aussi avec les jambes. Voilà, un peu de coordination. Soufflez. Voilà, engagez aussi vos abdos. Impeccable, encore 4, 3, 2, 1. Montez ici sur point de pied. Voilà, commencez à engager les chevilles, les abdos. Et je redescends ici sur les talons. Hop. Et point de pied. Et sur les talons, voilà, on commence à activer la pompe du pied. Encore, inspire. Et soufflez, restez concentré, fixez un point devant vous pour rester l'équilibre. Quand vous êtes sur les talons, inspire. Et souffle.
Encore une fois, comme ça, inspire. Et souffle. Bien, génial. Cercle de cheville. Dans un sens et puis l'autre. Pareil, cercle de cheville ici. Ça, c'est hyper important pour ensuite pouvoir enquiller, par exemple, une course en trail. Si vous allez courir pas très loin de chez vous avec des chemins un peu caillouteux. Ok, ici, les poignets. Est-ce que vous allez faire des planches? Est-ce que vous allez faire des pompes? Dans les quelques minutes qui suivent, enroulez votre dos. Je termine juste au sol. Il y en a vraiment pour 2 secondes. Voilà, ici, hop, venez vous placer en position de planche, ici, voilà, sur les genoux, hein, si c'est trop dur pour vous, pas de problème. Ici, on va juste travailler l'arrondi et le cambré du dos. Voilà, encore 3, 2, 1, et les mains sur le côté. Un peu de danse autour des poignets, si vous le voulez. Mains en arrière. Pareil, on tourne autour des poignets, main à l'intérieur. Donc on peut tout faire ça sur les genoux, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, et une dernière fois ici, main normale, en avant, cercle, relâchez. Voilà, donc là vous êtes échauffé, hein, la nuque, les épaules, les abdos, le dos, les hanches, les genoux, les chevilles. Donc vous pouvez partir pour n'importe quelle activité physique de votre choix. Surtout, n'oubliez pas de boire dès la fin de votre échauffement et de boire 2-3 petites gorgées toutes les 5-10 minutes, histoire de rester bien hydraté et du coup de pouvoir rester performant et bien actif pendant tout votre effort. Merci pour votre confiance, amusez-vous bien et je vous retrouve très bientôt dans un fitness studio. Salut !